derrière quand il y a un problème, de se tourner vers vous. Il est marié à Viviane Malemba depuis 27 ans, avec qui il a 4 magnifiques filles. Depuis sa conversion, Roland Dallot évolue avec les Assemblées de Dieu au Congo. Il est le pasteur titulaire du Centre missionnaire Philadelphie, implanté depuis le 24 février 2006, qui compte actuellement plus de 6000 membres. Ayant grandi dans un milieu modeste et côtoyé la misère spirituelle et matérielle de son pays, Dieu a donné au pasteur un message basé sur l'expérience et le relèvement de la famille qu'il prêche depuis 28 ans. Leadership édition 2022 est béni de recevoir l'apôtre Roland Dallot. Seigneur, du fond de mon cœur, je voudrais te rendre de multiples actions de grâce. Je pensais être venu simplement apporter ma modeste contribution. Mais tu m'as nourri, tu m'as béni, et je ne regrette pas d'être venu. Alors que je vais aborder ce dernier virage de ces assises, je prie que ta main soit sur moi comme jamais avant. Parce que c'est elle qui fait toute la différence. N'as-tu pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien? Donne-moi les mots qu'il faut, les tons qu'il faut, les débits qu'il faut, enfin que Seigneur, au travers de ma petite personne, un simple canal, tu trouves le cœur de quelqu'un. Je ne vais pas attendre la fin. Au travers de ce que mes yeux verront, que je puisse te dire merci, mais ma foi est tellement grande, attachée à l'exaucement de cette prière que je t'ai dit avec ton peuple, gloire et louange à toi Seigneur. Et Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Je rends grâce à Dieu qui nous a fait déplacer, mon assistant Milan et moi. Et comme je le disais dans la prière, je pensais simplement venir apporter ma modeste contribution, mais qu'est-ce que j'ai été béni moi-même. J'étais un scribe là, je ne me lassais pas d'écrire et j'écoutais Papa Bangoré. Je me disais, est-ce que moi je lis le Coran ou la Bible? Est-ce qu'on peut apprécier cet homme? Et cela me permet de dire un grand merci à mon frère, à mon ami, le pasteur Alexandre Amazou, ainsi que son épouse. Comme je l'ai dit, on se connaissait de loin et puis on a commencé à se rapprocher. Vous savez, il y a des gens, vous les connaissez tôt, mais ils ne vous sont tellement pas utiles que vous commencez à demander à Dieu, Seigneur, y a-t-il moyen de les zapper, de les éliminer de mon entourage? Mais il y a aussi des gens, vous les connaissez un peu plus tard, vous dites, Seigneur, pourquoi tu as permis que je le connaisse un peu plus tard? Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier cet homme? Et que dire de cet autre homme? On se ressemble un peu par la taille, par le volume de la tête, et puis par l'érosion que lui et moi on a au-dessus de la tête, l'absence des cheveux. Pasteur Kofi, aidez-moi à apprécier cet homme. Et Pasteur Kofi, comme Dieu me l'a mis encore tout à l'heure à la fin, je vous inviterai à venir faire la prière. Sans plus tarder, je nous amène dans les Saintes Écritures et nous lisons deux portions. La première, Acte des Apôtres, chapitre 14. Acte des Apôtres, chapitre 14, du verset 19 au verset 20. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, soulignez bien cela, lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. D'autres versions disent, après l'avoir roué de coups. Mais les disciples l'ayant entouré, et jamais bien, il se leva, et entrant dans la ville, le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. La seconde portion, nous lisons, seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 4, et nous lisons en deux temps, les versets 10 à 11,
Puis la fourchette allant du verset 14 au verset 18. Car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents et il est parti pour Thessalonique. Crescon est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-les avec toi, car il m'est utile pour les ministères. Verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'attendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. J'ai omis de faire quelque chose tout à l'heure. Quelqu'un qui m'est cher à double titre. Premièrement, c'est mon jeune frère dans les sangs, il vient juste après moi. Mais deuxièmement, c'est mon responsable au niveau de la communauté des assemblées de Dieu chez nous au pays. C'est le troisième responsable au niveau des assemblées de Dieu. Il est en séjour ici avec son épouse et hier déjà il était là. Et cet après-midi aussi, il a tenu à venir assister. Pasteur Rémi Djunga, révérend Rémi Djunga. Ah, il est là. Lève-toi s'il te plaît. Comme vous le voyez, c'est presque ma photocopie certifiée conforme. Merci. Je voudrais, en clôture de ces assises, parler sur le thème « Les leaders chrétiens, les coûts et leur gestion ». Les leaders chrétiens, les coûts et leur gestion. Si nous sommes déjà depuis des années dans le ministère, nous devons avoir des cicatrices. Certains en ont plusieurs. Mais si nous commençons dans le ministère sans être un prophète et entrer en transe, j'aimerais vous dire, vous recevrez des coups, et même beaucoup. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 19 à 20, que nous avons lu, Paul vient de faire un merveilleux travail. Premier voyage missionnaire, il a connu un grand succès. À Icône, à Istres, alors qu'il est en train de digérer ses grands succès, la Bible dit subitement, des gens survinrent d'Antioche. Des gens venus de nulle part. Et quand ils arrivent d'Antioche, la Bible dit, ils gagnèrent la foule. Et non seulement qu'ils gagnèrent la foule, ils se mirent à lapider Paul. D'autres versions disent à les rouer des coups. Et les coups étaient tellement bien donnés en quantité, en qualité, qu'ils sont arrivés à un pronostic, parce que la Bible dit qu'ils pensaient qu'il était mort. Nous l'avons achevé. Mais ce que j'aime aussi, Dieu ne laisse pas seulement que des mauvaises personnes viennent nous rouer des coups. Dieu nous envoie aussi des gens qui viennent nous protéger. Parce que le verset 20 dit, mais les disciples l'ayant entouré, j'aime ce qu'il est dit, il se leva. J'aimerais dire à quelqu'un, on te rouera de coups, mais tu te lèveras après ces coups. Les coups ne t'achèveront pas. Il se leva, il entra dans la ville, et quand nous voyons la suite, il a continué son ministère. J'aborde ce message en 5 sous-points. Premièrement, à qui s'adresse ce message et pourquoi? Deuxièmement, je vais essayer de définir c'est quoi les coûts. Troisièmement, je parlerai des principes sur les coûts. Et quatrième point, sorte des coûts et leur gestion. Et je finirai par une conclusion. Ce message, il s'adresse à trois catégories de personnes en rapport avec le leadership. Premièrement, ce message s'adresse à ceux, à celles appelés à exercer le leadership. Pour qui les réalités que nous allons voir sont encore lointaines et même absentes de votre pensée. À vous qui êtes appelés à exercer le ministère, ce message va vous servir à vous ouvrir les yeux et vous faire part de l'existence de ces réalités.
et au bon moment. Mais deuxièmement, ce message va vous aider à bien affronter ces réalités et à savoir bien réagir quand elles vont se présenter. Deuxièmement, ce message s'adresse à ceux et celles qui sont déjà appelés au leadership, qui commencent à rencontrer et à découvrir ces réalités. À vous, ce message vise trois choses. La première, vous dire que ce qui vous arrive n'est pas nouveau. Certains pensent que quand on vit certaines choses, on les vit de manière isolée. D'autres les vivent. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que vous vivez, d'autres leaders l'ont vécu avant vous. Deuxième objectif, c'est vous encourager à bien réagir face à ces choses et surtout à bien les gérer. Et troisièmement, à vous montrer la nécessité d'une vertu pour bien gérer cette réalité, les coups que l'on reçoit sur le chemin de la vie. Et cette vertu, c'est la maturité. Deux petites choses que je dis rapidement en rapport avec la maturité. La première, c'est que la maturité, là où elle est jamais cachée. Elle se voit. Et troisièmement, la maturité ne se mesure pas toujours par notre longévité dans la foi, mais par notre capacité à intérioriser, à vivre selon la parole de Dieu. Et quand je parle de vivre selon la parole de Dieu, je voudrais emprunter les paroles de mon pasteur, Fait Jacques-André Vernon, qui disait ceci: la vraie maturité ne se voit pas dans nos actions, la vraie maturité se voit dans nos réactions. Il disait cela en disant ceci: sur le chemin de la vie, nous ne serons pas toujours maîtres des actions des autres vis-à-vis de nous, mais nous serons toujours maîtres de nos réactions. Ce que les autres nous font, des fois nous n'avons aucune influence, mais notre réaction par rapport à ce qu'on nous a fait dépend de notre maturité. Je reçois un jour un homme de Dieu qui vient me voir au bureau et dit: pasteur, la Bible dit si on te frappe sur la joue gauche, tends aussi l'autre joue. Il dit: je l'ai fait, mais la Bible ne dit rien si on te frappe sur l'autre joue. Dit: la Bible est silencieuse. Troisième catégorie de personnes, ce message s'adresse à celles et ceux pour qui ces réalités ont déjà été expérimentées ou peut-être les sont encore. Et à cela, ce message vise deux objectifs: nous encourager à bien réagir si nous l'avons toujours fait, mais deuxièmement, à réajuster et améliorer certains comportements au cas où notre façon de réagir n'a pas toujours été la bonne. Cela m'amène au deuxième point, les coûts. Qu'est-ce donc les coûts? Je donne deux définitions, une définition générale et une définition spécifique. De manière générale, les coups, c'est les mouvements d'un corps, et ces mouvements peuvent être intentionnels ou non intentionnels, d'un corps vers un autre, suivi d'un choc qui provoque la douleur, la blessure, la contusion ou la fracture. Deuxièmement, un coup, c'est un choc provoqué par les mouvements d'un corps matériel venant heurter ou toucher violemment un autre corps, en faisant mal et en laissant des dommages. Et déjà à ce niveau, il y a trois éléments qui reviennent chaque fois qu'il y a coup. Il y a un choc dû au mouvement d'un corps, il y a l'aspect soit intention ou absence d'intention, mais il y a presque chaque fois dommage. Mais dommage hiérarchisé: douleur, blessure, fracture. Et de manière spécifique, les coups sont des actions volontaires ou involontaires d'une personne vis-à-vis d'une autre qui porte atteinte à ses émotions, qui cause la douleur morale, la déception ou une blessure dans l'âme. Deuxièmement, les coups sont des situations, des événements ou des réalités pénibles que nous rencontrons sur les chemins de la vie et du leadership, qui nous font mal, mais le plus souvent émotionnellement. Et troisièmement, les coups sont des situations ou des événements sur la roue du leadership que soit nous subissons ou que soit nous provoquons, mais qui nous font mal en laissant des cicatrices. Les mots coups au singulier
au pluriel, on le retrouve 43 fois dans la Bible. Dont 34 fois dans l'Ancien Testament et 9 fois dans le Nouveau Testament. Cela m'amène à aborder le troisième point, principe sur le coup. 9 principes rapidement. Le premier principe, c'est que les coups ont deux visages par rapport à la connaissance. Premièrement, les coups peuvent être prévisibles. On peut savoir qu'ils vont arriver ou on peut être prévenu. Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 10 à 11. L'apôtre Paul est à un endroit, un prophète nommé Agabus vient, il prend sa ceinture. Il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, s'il monte à Jérusalem, voici ce qui va lui arriver. Il sait qu'il va connaître des situations difficiles. Mais deuxièmement, les coups peuvent arriver de manière que nous ne connaissons pas. Et Actes des Apôtres 14, 19 que nous avons lu avec l'apôtre Paul, il finit de faire ses merveilleux travail à Lystra et Icône et subitement il est roué de coups, lapidé. Deuxième principe attaché au coup, c'est que par rapport aux personnes qui les causent, il y a deux options. Premièrement, il y a des coups que nous ne provoquons pas, nous les subissons. Acte 14 avec l'apôtre Paul, verset 19, il n'a rien fait et les gens viennent et commencent à lui faire mal. Mais deuxièmement, il y a des coups que nous provoquons directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment. Troisième principe attaché au coup, c'est que quelle que soit notre spiritualité et même notre maturité, les coups font toujours mal. Mal. Ils peuvent causer de la simple douleur à la déception qui peut amener même à l'amertume. Quatrième principe, c'est que les coups sur le chemin du leadership ont des degrés ou des niveaux. Il y a des coups légers, mais il y a aussi des coups profonds et intenses. Cinquième principe, c'est que le problème avec les coups sur le chemin du leadership n'est pas souvent leur présence, mais comment nous réagissons face à eux. Comment je réagis lorsque je reçois des coups. Plusieurs choses influencent notre réaction face aux coups. Cinq principalement. Premièrement, notre tempérament. Et j'étais content. Papa Bangoré en a parlé. Il y a des sanguins qui réagissent directement. Il avait préparé un message jusqu'à samedi pour parler de l'amour de Dieu, du retour de Jésus. Mais à 22h, il apprend que 8 diacres se sont retrouvés quelque part. Et ils l'ont critiqué durant 3 heures du temps. Le lendemain, quand il entre au culte, il salue personne, il dit « Bonjour, pasteur ». Quand il monte, il dit « Dieu m'avait inspiré un message, mais depuis hier, j'ai changé ». Écoutez le thème de mon message, la colère de Dieu. Deuxième chose qui influence notre réaction par rapport au coup, c'est notre maturité. La façon dont nous avons intériorisé la parole de Dieu, nous avons appris à agir et à réagir selon elle. Troisièmement, c'est notre degré de spiritualité. Et là, j'ai dit deux choses. Degré de spiritualité en général, mais quelquefois le degré de spiritualité au moment où on reçoit des coups. Il arrive qu'on est toujours spirituel, mais les coups viennent vous trouver au plus bas. Et les gens sont étonnés, mais cet homme a toujours été doux. Comment il a réagi comme ça? Quatrième chose qui influence nos réactions par rapport aux coups, c'est notre entourage. Il arrive des fois, nous voulons laisser passer certaines choses. Mais les gens à côté nous poussent. Combien de fois des Akab qui veulent avoir la ville de Naboth, et quand Naboth refuse, Akab veut laisser, mais Jézabel dit, es-tu roi ou quoi? Qui nous pousse à faire des choses que nous ne pensions pas faire. Et cinquième chose qui influence notre façon de réagir, c'est l'absence
ou la présence des modèles. C'est pourquoi l'Église a besoin de modèles. J'ai jamais oublié, je suis au bureau de mon pasteur vers 8h30. On part durant 10 minutes, je vais sortir, il me dit « Dallo, ne sors pas » parce que j'ai vu la liste de 20 personnes qui veulent être reçues par moi aujourd'hui. Il est numéro 1, c'est un jeune homme, j'ai appris, on l'appelle Rabbin. Mais il a déjà répondu des bruits qu'il va me savonner. Je ne sais pas de quoi il va me parler. Mon pasteur avait à l'époque, je pense, 65 ou 70 ans. Et ce jeune homme avait 22 ans, j'oublie jamais. Il entre dans mon bureau, dans le bureau de mon pasteur, habillé en trois pièces écharpes. 22 ans. Il me trouve assis, il commence par saluer mon pasteur. Bonjour frère Jacques. C'est vrai, il est son frère, mais... Et puis il me salue aussi, bonjour frère Dallo. J'ai dit, ok, ça commence bien. Mon pasteur veut prier, il dit, Dieu m'a dit, ce n'est pas vous qui allez prier, c'est moi qui vais prier. J'ai jamais oublié quand il a commencé la prière, mon pasteur avait fermé les yeux, moi non, moi je regrette, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Écoutez sa prière, Seigneur, Élie a dit, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu Tout-Puissant. Ce ne sont pas les nombres d'années qui enseignent la sagesse. Je viens de ta part. Et quand il ouvre la bouche, il dit, Dieu m'a révélé, pasteur, que tu as baissé spirituellement. Regarde, ça fait 6 mois, tu ne répètes que le même message. Est-ce que tu pries encore? En général, mon degré de colère est souvent révélé par ma jambe droite qui bouge. Et ma jambe droite a commencé à bouger. Mais j'ai regardé mon pasteur, il était d'un calme olympien. Il écrivait, ce jeune homme a parlé durant 15 minutes, il sermonnait mon pasteur. Et quand il a fini, je me disais, c'est sûr, mon pasteur va lui donner une réplique. Ce jeune homme va sortir les yeux rouges et en rampant. Au lieu de tout cela, il a simplement regardé le jeune homme et dit, merci pour ce que Dieu t'a révélé. Est-ce que tu peux prier pour moi par rapport à ça? Les temps que je réalise, mon pasteur a baissé la tête. Moi, j'avais difficile à baisser la tête. Écoutez la réaction du jeune homme. Seigneur, je te rends grâce parce que ton serviteur a compris. Et puis finalement, il sort. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, à votre voisine. Si c'était vous, vous allez réagir comment? J'entends un pasteur qui dit, j'allais lui casser 8 dents. Et cet exemple m'a appris la maîtrise. Des fois, nous ne réagissons pas bien parce que nous n'avons pas été exposés devant des modèles. J'en parlerai tout à l'heure à la fin. Jésus-Christ est présenté comme un modèle. La Bible dit, il s'est tué devant ceux qui le tondaient comme une brebis. Sixième principe attaché au cou, c'est que les moments où nous recevons des coups sont des moments de révélation. Premièrement, les moments où nous recevons des coups nous révèlent nous-mêmes. Souvent, nous pensons être spirituels, nous pensons être forts, nous pensons être doux, jusqu'à ce que on nous frappe. Votre douceur, je vais la vérifier le jour où on va vous attaquer. Votre humilité, nous la vérifierons le jour où on va toucher à votre réputation. Mais deuxièmement, les coups nous révèlent les autres. Qui sont-ils exactement ? Des fois, nous pensons connaître les gens jusqu'à ce que nous puissions recevoir des coups. Septième principe, c'est que la bonne ou la mauvaise gestion des coups reçus dans les ministères ou dans le leadership peuvent affecter plusieurs aspects de notre vie. Premièrement, ça peut affecter notre santé émotionnelle. Deuxièmement, ça peut affecter notre humeur. Troisièmement, ça peut affecter la qualité de nos relations avec les autres, époux, épouse, enfant. Combien de fois nos épouses à la maison des fois payent les pots cassés, les choses que nous subissons dans les ministères et nous rentrons avec la mauvaise humeur à la maison. Mais ça peut aussi affecter notre santé physique. Que des hommes de Dieu qui souffrent de hypertension, maux d'estomac, gastrite et que sais-je encore. Proverbe 17 au verset 22 dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Que des hommes de Dieu qui souffrent dans leur corps
à cause des choses qu'ils vivent. Proverbe 15, au verset 13, ajoute aussi: un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Huitième et avant-dernier principe, d'après l'apôtre Paul, les coups sont aussi des moyens de certifier et de confirmer notre leadership. Nous vérifions que vous avez un vrai appel quand vous nous montrez les cicatrices que vous avez. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, écoutez comment l'apôtre Paul dit, se comparant aux autres. Il dit: sont-ils ministres de Dieu? Je parle en homme qui exagère. Il dit: je le suis bien plus, un, par les travaux, bien plus, et puis il ajoute, par les coups. Les coups certifient et confirment. C'est pourquoi j'aime quand la Bible dit que celui qui porte l'arme ne se glorifie pas devant celui qui la dépose. Parce que plus on a vécu dans les ministères, plus on a reçu des coups. Neuvième et dernier principe, tout celui et toute celle qui veut assumer le leadership doit s'attendre un jour ou l'autre à recevoir des coups de toutes sortes, et même de n'importe qui. Alors cela m'amène au quatrième point, sorte des coups et leur gestion. Sur la route du ministère, nous recevons plusieurs sortes de coups, mais deux principalement. Premièrement, nous recevons des coups en tant que dirigeants ou leaders. Mais deuxièmement, nous recevons des coups en tant que dirigés ou étant sous l'autorité de quelqu'un. Comme dirigeant ou leader, l'Esprit de Dieu m'a amené à sélectionner quatre sortes de coups que nous recevrons. Première sorte de coups que nous recevons sur la route du leadership et du ministère, c'est la trahison. La trahison. La trahison, c'est le fait pour que quelqu'un de tromper votre confiance, de manquer à la confiance que vous lui avez faite, de manquer à la fidélité promise, de nuire avec hypocrisie et perfidie, c'est-à-dire de manière cachée ou derrière le dos. On peut même parler de déloyauté. La trahison ou la déloyauté fait très mal. Ça blesse. Il faut l'avoir connu pour savoir jusqu'où ça fait très mal. 2 Samuel, chapitre 15, verset 31, nous parle de la trahison d'Achitophel. Achitophel était l'homme le plus proche de David. On a trouvé des écrits où il est dit qu'Achitophel avait les doubles des clés de toute la maison de David, même sa chambre à coucher, pour montrer les degrés de confiance. Mais le jour où Absalom se révolte, l'une des premières nouvelles qu'on vient annoncer à David, Achitophel est passé de l'autre côté. Et l'on sent la douleur de David. La douleur de David était tellement grande que David a composé un psaume à cause de la trahison. Psaume 55, verset 13 au verset 14. Écoutez ce que David dit. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. Il dit au verset 14, c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. La version française courante dit, il n'était pas un ennemi celui qui m'insulte aujourd'hui. Autrement, je le supporterai. Mais c'est toi qui étais mon familier, mon intime, quelqu'un avec qui j'étais attaché. En général, il y a deux sortes de traîtres. Il y a les traîtres cachés et les traîtres ouverts. Qui vous trahissent, ils assument. Mais d'autres qui se cachent derrière. Luc chapitre 6, verset 16, parle de Judas Iscariote. Et la Bible dit qu'il devint traître. Il n'était pas au départ. Loyal au départ et puis il a changé. En général, lorsqu'on a expérimenté la trahison, il y a quatre attitudes qui accompagnent nos émotions, notre cœur. Premièrement, c'est l'autocondamnation. On s'en veut d'avoir fait confiance, d'avoir trop fait confiance, d'avoir été naïf et peut-être même d'avoir négligé les avertissements qui étaient donnés.
Et là, j'ai appris à écouter mon épouse. Je ne sais pas quelle alliance Dieu a avec les femmes. 9 fois sur 10, mon épouse finit toujours par avoir raison. Elles ont un instinct que nous, on n'a pas. Roland, ton ami, là, je ne les sens pas bien. Je dis, toi aussi avec tes sensations. Moi, je veux qu'elle m'éprouve pourquoi il est mauvais. Je ne sais pas t'expliquer. Elles ont une alliance particulière avec Dieu. L'autocondamnation. Deuxième attitude qui arrive lorsqu'on a été trahi, c'est l'amertume vis-à-vis de la personne qui a trahi. On peut même aller jusqu'à le souhaiter du mal. Et David, l'homme spirituel, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Écoutez dans Psaume 55, verset 16, la prière qu'il fait par rapport à Achitophel et aux autres, il dit que la mort le surprenne, qu'il descende vivant au séjour des morts. Quand on a été trahi, malgré la spiritualité, il a fait ça. Troisième conséquence qui arrive lorsqu'on a été trahi, c'est un sentiment d'insécurité. Surtout si la personne qui vous a trahi était trop proche et il connaît beaucoup de choses de vous. Que va-t-il faire de ces informations? C'est pourquoi même dans le monde politique, on finit par les empoisonner. Il faut l'éliminer, c'est un témoin gênant. Il connaît, on avait fait ceci, on avait fait... Et il détient ces informations et on ne maîtrise plus sa bouche. Quatrième chose, et ça nous arrive souvent quand on a été trahi, c'est prendre des décisions radicales à ne plus jamais faire confiance. Ceux qui ont été trahis par une personne, ils condamnent toutes les personnes futures. Moi, désormais, ma femme seulement, moi, désormais, deuxième sorte de coup que nous recevons sur la roue du leadership, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. L'ingratitude, c'est le fait pour quelqu'un d'oublier les bienfaits reçus et de ne pas manifester des reconnaissances en retour. Ne pas nous rendre les biens que nous lui avons faits. J'aimerais vous dire, si vous vivez longtemps dans le leadership, dans le ministère, vous rencontrerez l'ingratitude. Des gens pour lesquels vous êtes dépensé. Vous avez même privé des fois les vôtres, femmes et enfants, de certaines choses pour leur faire du bien. Mais un, soit ils ne les reconnaissent pas, ou deux, ils les minimisent. Un exemple d'ingratitude, c'est Nabal. 1 Samuel chapitre 25, verset 10 à 12, puis verset 21 à 22 le montre. David s'est souvenu, durant la période où j'étais chef de bande, je protégeais Nabal et ses biens. Quand on voulait attaquer, je me présentais comme un bouclier. Et puis il s'est dit, je manque à manger. Je pense que c'est quelqu'un qui va me faire du bien parce qu'il se souvient. Aïe, 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 aïe. David envoie les gens. Écoutez la réaction de Nabal. Je ne sais des gens qui viennent de je ne sais où. Et je prendrai mon pain et mon eau et je les donnerai. La réaction de David m'étonne, l'homme selon le cœur de Dieu. Verset 21 à 22 de 1 Samuel 25. David avait dit, c'est en vain que j'ai gardé tous les biens que cet homme avait dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possédait. Écoutez ce que David dit, il m'a rendu les biens pour les mâles. Écoutez sa conclusion, verset 22, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui lui appartient. À cause du fait qu'on lui a refusé, David dit, portez armes, feu. L'ingratitude. Comme pour la trahison, l'ingratitude fait mal et nous affecte aussi. Premièrement, elle nous pousse à nous en vouloir. Deuxièmement, elle nous pousse à en vouloir à la personne ingrate. Et troisièmement, on regrette les bienfaits. On se dit, même si c'était récupérable, je l'ai récupéré. Mais c'est déjà parti. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà subi l'ingratitude ici? J'entends quelqu'un dire, je suis en train de la subir maintenant. Troisième sorte de coups que l'on reçoit
sur le chemin du ministère, ce sont les fausses accusations. Les choses pas vraies qu'on dit sur nous, qui touchent à notre honneur, qui affectent notre image et qui affectent notre réputation, surtout aujourd'hui avec Internet. Je me souviens un jour, j'ai parlé avec mon jeune frère Marcelo. Il m'a dit, pasteur, un homme m'avait tellement attaqué à un moment. J'ai dit, Seigneur, heureusement que je ne le croise pas sur mon chemin. Il prenait tout son temps sur Internet. Et quand vous voyez le nombre de vues, et puis les gens vous les renvoient. En grand titre, les magiciens Kofi. Quand vous n'avez jamais subi les fausses accusations, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Il faut avoir été accusé faussement. Les fausses accusations font très mal pour plusieurs raisons. La première, elles touchent à l'une de nos richesses, qui est la réputation. Proverbe 27, verset 21 dit, « Le creuset pour l'argent et les fourneaux pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. » À un moment dans mon ministère, j'ai connu ça. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte que mon vieil homme n'était pas mort, mais il était évanoui. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui avait la spécialité de donner des coups de tête aux gens et il fendait leurs lèvres avant sa conversion. Puis il s'est converti 6 mois après, suit les enseignements du baptême. Et le jour où on veut le faire entrer dans les eaux du baptême, il dit, pasteur, les vieil homme là qui donnaient des coups et qui fendaient les lèvres, il va rester dans les eaux du baptême et un homme nouveau va ressortir. On le fait ressortir des eaux du baptême. Durant 6 mois, tout était tranquille tout autour de lui. Les pasteurs les saluent même et les félicitent, mais il dit, fantastique. Le vieil homme là, vraiment, il était resté dans les eaux. Au 7e mois, le pasteur était au bureau, il entend un bruit de ah, en lingala, nakoufié, je suis mort. Le pasteur dit, qu'est-ce qu'il y a? Il regarde au travers de la fenêtre, un homme aux lèvres fendues. Et les frères étaient devant. Il vient les voir, il dit, mes frères, tu avais dit que les vieil hommes étaient restés dans l'eau. Il dit, pasteur, je ne savais pas que les vieil hommes savaient nager. Aide-moi à dire à ton voisin, les vieil hommes savent nager. Fin 2006, notre église fait une transaction avec une famille. On achète la parcelle. Et je ne sais pas d'où est parti le bruit. Les bruits commencent à dire, non, on a donné à Dalo des commissions de 50 000 $. Alors que je n'ai même pas touché 1 $. Et avec ce qui va de bouche à oreille, ça a quitté l'aspect commission. C'est devenu Dalo à voler. J'oublie jamais un jour, j'arrive dans cette agence de voyage au centre-ville. J'étais en train de faire une réservation pour aller au Maroc, puis aux États-Unis. La jeune fille est en train de faire la réservation. Puis elle me dit même, pasteur, je suivais des messages, mais tu m'as déçu. Il semble qu'on t'a chassé de l'église, tu as volé 50 000. J'ai regardé tout autour, je me dis, j'espère qu'ils n'ont pas entendu. Et comme en ce moment-là, mon véhicule était en panne, ces jours-là, j'avais l'impression que les diables voulaient m'écraser. Pasteur Kofi, je monte dans un taxi aux alentours de 11h30 et notre église qui a un poste radio faisait toujours passer soit mon message, celui de mon pasteur, entre 11h30 et 12h30. Et des gens qui ne me connaissaient pas, l'un qui était là, il dit, mettez la radio de telle église pour qu'on suive le message. Et le chauffeur taxi dit, de telle église où le pasteur est blanc et son assistant est noir, il a volé 50 000. Et j'étais là derrière, j'ai 14h, mes filles rentrent, les 3 premières qui étudiaient à l'époque. En général, quand ils rentraient, ils me trouvaient sous l'arbre en train de soir d'écouter les infos des lits. Elle venait toujours m'embrasser, puis elle passait. La deuxième est passée, elle m'a embrassé, la troisième. Mais je vois ma fille aînée qui passe directement. J'ai dit à mon épouse, Viviane, qu'est-ce qui se passe avec Younis? Je vois Viviane revenir en pleurant. Elle dit, vas-y, c'est à cause de toi, elle a un problème sérieux. J'entre en chambre. Pasteur Kofi, ce jour-là, il restait moins un que j'achète des gants que j'aille me battre.
Ma fille m'a dit deux choses. Il dit, j'ai cogné une amie à la récréation. Elle m'a dit, toi tu ne fais que cogner les gens. Votre papa était un voleur. Non, il a volé 50 000, on l'a chassé. J'ai dit, Seigneur, même dans les cours de récréation. Mais pasteur Alexandre, ça c'était pas le plus dur. Le plus dur, c'est quand ma fille m'a dit, papa, regarde-moi dans les yeux. Tu as volé l'argent ou pas? J'ai senti, mais ma fille a commencé à douter de moi. C'est à ce moment-là que j'ai mes points sur. Parce que c'est ces jours-là que je me suis rendu compte que ma chair était encore vivante. Parce qu'on ne vous a jamais accusé. Le 30 juin 2019, j'apporte un message adressé au pays, mon jeune frère, c'est. Et tout un pays est bougé. Ma fille qui était à Paris dit, elle a vu, on a mis ma photo sur Instagram, on a dit, aidez-nous à injurier cet homme. Elle m'a dit, papa, dois-je réagir ou pas? Je lui dis, toi tu es Dalo par procuration, l'original c'est moi. Et si l'original ne réagit pas, tu ne réagis pas non plus. Avez-vous déjà subi des fausses accusations? Deuxième chose, parmi les choses qui font que les fausses accusations font mal, elles affectent l'image que les gens ont de nous. Troisième chose, parmi les choses qui font que les fausses accusations font mal, elles affectent et changent les regards des gens vis-à-vis de nous. Le respect est perdu, la considération. Chaque fois que j'étudie la vie de Jésus, je dis, mais Jésus, il était fort. Jean 7, verset 12, Jésus prêche, écoutez ce que la Bible dit, on dit, il égare la foule. Jean 10, verset 20, plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? J'ai dit, Jésus est un extraterrestre. Il chasse des démons, on dit, c'est par Belzébul qu'il les chasse. Si c'était vous, vous allez faire comment? Matthieu 27, au verset 63, même à sa mort, on lui colle l'imposture. Cet imposteur avait dit. Acte 24, verset 5. On veut accuser Paul. On loue les services d'un orateur, Tertulle. Écoutez comment il parle de Paul. Il dit, il est une peste. Et il provoque des divisions parmi les Juifs. Cinq choses que j'aimerais dire rapidement en rapport avec les fausses accusations. La première. Nous devons savoir que les gens ont le droit d'avoir une fausse perception nous concernant, même s'ils n'ont pas raison. Deuxième chose que nous devons savoir, les gens qui ont une fausse perception de nous et qui en font la publicité, c'est leur responsabilité devant Dieu. Troisième chose que nous devons savoir en tant que leader, nous ne ferons jamais l'unanimité. J'ai dit aux leaders, ce sont les leaders immatures qui aiment l'unanimité, que tout le monde soit d'accord avec eux. Il y aura des personnes qui ne vous aimeront pas. Quatrièmement, il y aura des personnes qui, sans vous approcher, se feront de vous l'image que les autres leur ont donnée. Il y a des gens qui vous colleront des choses et d'autres vont adhérer. Laissez-les. Cinquième et dernière chose, face aux fausses accusations, nous avons tendance à avoir trois attitudes. La première, c'est l'amertume et la colère. Moi, je l'ai eu ces jours-là, surtout quand ma fille m'a dit, papa, regarde-moi dans les yeux. Ma douleur, c'était même ma fille commence à douter de moi. J'ai dit à mon épouse, après, si j'avais rencontré la personne qui était à la base, malgré ma spiritualité, j'allais lui rappeler qu'avant ma conversion, j'avais fait du judo. Et ce jour-là même, alors que je pensais les mots japonais, yokogeri, maigeri, mawashi, montaient à moi. Je disais à quelqu'un, je suis rempli de l'esprit, mais l'esprit n'a pas tout enlevé. Deuxième chose qui arrive lorsqu'il y a les fausses accusations, c'est la tendance à vouloir se justifier. Et ma petite expérience m'a montré, devant les fausses accusations, quand on se justifie, on donne la matière aux autres. Des fois, la meilleure manière, mais qui est difficile, c'est de se taire.
Combien de fois Dieu nous donne de bonnes occasions de nous taire, mais on ne se tait pas. Jésus était spécialiste en silence. Lisez, il est devant Pilate, on dit ceci, silencieux. Troisième attitude que nous avons quand il y a les fausses accusations, la tendance à contre-attaquer. Et quand je dis contre-attaquer, c'est non seulement se défendre, mais des fois aussi attaquer les autres. Lui m'accuse de ça. Vous ne savez pas que... Un véritable homme mature, il se sert des fois de fausses accusations pour se remettre en question. Mais deuxièmement, il sait faire avec. J'aime 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4 et verset 8. Et tout ce que l'apôtre Paul dit. Mais nous, nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Et il ajoute au verset 8, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des fausses accusations qui nous trouveront solution qu'au nom de l'agneau. Et en attendant cela, vous devez savoir qui vous êtes. Vous savez, Dieu sait qui vous êtes et vos proches aussi savent qui vous êtes. Le reste, laissez les gens causer. Laissez les gens parler. Presque 37 ans dans la foi. Une trentaine d'années dans les ministères. Avec les années, je me suis endurci. J'essaie de mieux en mieux gérer. Quatrième et dernier sort des coups que nous recevons sur le chemin du leadership et du ministère, c'est l'abandon. L'abandon. L'effet pour des gens de nous quitter, de se détacher de nous, de s'éloigner de nous, de rompre volontairement, ou pour certaines raisons, les liens qui nous attachent à eux. Quatre choses à noter par rapport à l'abandon. La première, c'est que l'abandon fait mal. Mal. Pourquoi? Parce que l'homme est d'abord un être sociable. Il aime non seulement s'attacher, mais quand il s'attache, il veut que ça reste. L'apôtre Paul écrit à Timothée, belle épître, mais on sent que son âme est touchée. Il exhorte Timothée, et puis dans 2 Timothée 4 et 10, il dit, Démas m'a abandonné. Dans ma première Bible, j'ai écrit à côté, mais Timothée, Paul, Jésus est là, non? Démas m'a abandonné. Démas m'a laissé tomber. Quand lisons Colossiens 4, verset 14, et Philémon 1, verset 24, Démas faisait partie de ses collaborateurs, des hommes qui ont œuvré avec lui. Toujours l'apôtre Paul, étonné, Paul est en prison. Écoutez ce qu'il écrit à Timothée, 2 Timothée 4 et 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Et puis il reprend un peu de la spirituelle et dit que cela ne leur soit pas imputé. Mais on sent qu'il se plaint quand même. Deuxième chose, les gens nous abandonneront pour diverses raisons. Premièrement par égoïsme. Ils ne pensent et ne voient que leurs intérêts. Combien de fois les gens s'attachent à nous comme des capitalistes? Ils viennent non pas nous servir, mais ils viennent se servir de nous pour aller plus loin. Et quand ils ont leur part, ils nous lâchent. Même Jésus a connu l'abandon. Matthieu chapitre 26, verset 56, on vient arrêter Jésus. Même celui qui disait, Seigneur, tous ceux-ci peuvent t'abandonner. Ma Bible à moi dit, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. J'aimerais dire, si vous vivez longtemps, un jour vous réaliserez le vide tout autour de vous. Mais l'abandon peut aussi se faire à cause de l'incompréhension. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Jean chapitre 6, verset 66, Jésus commence à enseigner, il faut boire mon sang, manger ma chair. Écoutez ce que la Bible dit. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Les courants ne passent plus. Mais troisièmement, il y a des abandons nécessaires sur le chemin de la vie. Des abandons nécessaires voulus par Dieu. Avec les années, j'ai eu un dixième don spirituel. Le don spirituel de dire bye bye.
Avant, j'avais tendance toujours à vouloir retenir les gens. Mais il y a des moments où il faut savoir laisser les gens partir. J'aime souvent dire, trop célébrer les gens qui partent, c'est amoindrir la valeur de ceux qui sont restés. J'ai appris aussi avec les années dans le ministère qu'il y a des gens que Dieu nous donne pour toute la vie, des personnes d'alliance qui ne nous quitteront jamais. Comme Ittai de Gath, j'en ai parlé, comme Abishai. Mais il y a des gens que Dieu vous donne pour une saison. Quand leur saison finit à vos côtés, laissez-les partir. J'aimerais vous dire, en 30 ans de ministère, je ne célèbre plus les partants. Certaines personnes, je sais, quand ils m'abandonnent, je dis, Seigneur, merci. Et certains abandons sont voulus par Dieu. Dieu voit que cette personne, si elle reste à tes côtés, va provoquer des problèmes. Dieu les fait partir et toi, tu pleures. Écoutez ce que Job dit, dans Job 19, verset 13 à 14, et puis verset 19. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Dieu a éloigné de moi mes frères. Et mes amis se sont détournés de moi, c'est Dieu. Verset 14, je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Verset 19, il ajoute, ce que j'avais pour confident, m'ont en horreur. Ce que j'avais se sont tournés contre moi. Alors je touche le dernier aspect. Si l'on peut recevoir des coups comme dirigeant, il y a une deuxième manière de recevoir les coups, on les reçoit comme dirigé. Quelqu'un sous autorité. En tant que dirigé, on peut recevoir des coups de deux manières. Première sorte de coups, on reçoit des coups de son leader. Que c'est dur quand c'est le leader qui commence à donner des coups à son dirigé. Et deuxièmement, on reçoit des coups des autres confrères. Trois raisons principalement amènent quelquefois les leaders à donner des coups à leurs dirigés ou à leurs protégés. Première raison, c'est l'insécurité due à l'absence d'assurance personnelle et à l'incapacité à accepter la réussite ainsi que l'appréciation dont son protégé est l'objet. L'exemple légendaire, c'est Saül et David. Tout allait bien dans la relation, jusqu'à ce qu'un jour on chante. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Dans votre Bible, qu'est-ce qui est dit? Saül a dit gloire au Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ma Bible m'a dit, il regarda cela d'un mauvais œil. Et il fit de David son ennemi. Et non seulement cela, il commença à utiliser sa lance pour l'éliminer. Combien ça fait mal quand c'est un père qui commence à vouloir détruire son fils. Seigneur, épargne-moi d'être un père qui détruit ses enfants. Mais j'aimerais dire déjà à ce niveau au fils, quand il arrive que vous avez un père qui au lieu de vous célébrer, vous jalouse, apprenez simplement à esquiver ses lances. Travaillez les réflexes de votre cou. Mais ne rendez jamais les flèches. Laissez à Dieu la suite. Deuxième chose qui amène des fois les leaders à donner des coups à leurs enfants, c'est l'esprit des compétitions. Qui amène consciemment ou inconsciemment un leader à faire de son protégé ou de son fils un rival. J'ai beaucoup aimé quand papa Dangoré parlait tout à l'heure. Tu veux avoir un pasteur, tu n'as que l'enseignement. Mais tu as un fils, ministère ou don prophétique terrible. Et vous savez comment chez nous dans les églises, les gens aiment ça. J'ai vu dans l'église où j'ai grandi ces choses commencer à se présenter. Mon pasteur est un enseignant hors pair. Il semble que au début de son ministère, beaucoup de charisme, mais avec le temps, il est devenu plus enseignant. Et puis, on avait un autre leader, mon jeune frère, c'est de qui je parle. Beaucoup de charisme, délivrance. Alors, mardi, le jour où le pasteur recevait, vous allez au bureau du pasteur titulaire, vous trouvez 5 personnes qui attendent. Mais du côté de celui qui fait la délivrance, 120 personnes.
Et certains disent, là c'est la lettre. Ici c'est l'esprit qui vivifie. Le royaume de Dieu ne consiste pas en des discours persuasifs, mais une démonstration de puissance. Ma prière est que cet endroit appelé chair ne soit jamais un lieu de compétition, mais un lieu d'édification. C'est pourquoi j'aime la sécurité intérieure de Moïse. Nombre chapitre 11, versets 24 à 29, on vient dire à Moïse, « Moïse, tu sais quoi ? D'autres qui n'étaient pas avec nous sont en train de prophétiser. » Écoutez sa réaction. « Plaise à Dieu que tous les camps soient faits des prophètes. » Marc chapitre 9, 38 à 40, on vient presque accuser Jésus auprès de Jean-Baptiste. « Seigneur, tu sais celui que tu as baptisé au-delà du Jourdain ?» Tout le monde va à lui. Tu vois même les disciples là qui étaient ici, il n'est plus là. Il est parti là-bas. J'aime ce que Christ a dit, Jean-Baptiste plutôt. Il dit, il faut qu'il croisse et que moi, j'ai diminué. Jean 14, verset 12, Jésus-Christ a même souhaité que ceux qui allaient venir après lui fassent plus. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera des œuvres et il en fera des plus grands. Troisième chose qui provoque que les dirigeants donnent des cours aux dirigés, ce sont les on-dit. Et dans nos églises locales, les on-dit. On a dit. On a dit. Nous qui sommes proches des pasteurs, qu'est-ce que nous disons aux autres? David est devenu la cible de Saül à cause de plusieurs choses, mais des on-dit. Écoutez 1 Samuel chapitre 24, verset 10. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. David est pourchassé parce que les gens viennent mettre des choses à l'oreille de Saül. David, Saül, ce petit-là, il a dit ceci. Il a dit ceci. Deuxièmement, et je finis, en tant que dirigeant, en tant que dirigé plutôt, on peut aussi recevoir des cours de la part des autres dirigés. Et là, c'est deux raisons principales. On reçoit les cours de la part des autres dirigés par jalousie. Y a-t-il un jaloux ici? Y a-t-il une jalouse? La jalousie, c'est cette souffrance intérieure qui habite notre cœur à cause de deux raisons. Quand on voit quelqu'un avoir ce qu'on aurait voulu avoir et qu'on n'a pas, ou quelqu'un d'autre avoir ce qu'on aurait voulu avoir seul, mais que l'autre aussi finit par avoir. Et deuxième chose, les jaloux estiment que leur douleur cesse quand l'autre perd ce qu'il a, ou lui aussi il a autant. Celui qui vous jalouse quand vous avez acheté votre Mercedes, le jour où il aura sa Mercedes, la première personne à venir visiter c'est vous. Il vient simplement, voisin, je suis venu lui montrer le petit vélo que Dieu m'a offert. Une manière de te dire, tu pensais l'avoir seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais troisième et dernière chose, la jalousie. Elle fait deux choses. Elle ronge d'abord notre cœur. Et elle finit par faire de nous un destructeur. La jalousie est un locataire avec qui il ne faut jamais signer un contrat de bail. Si vous signez, il vous détruit. Pasteur Alexandre, je me retrouve à l'est de notre pays, dans la ville de Bukavu, pas très loin de Goma, en 99. Je prêche de lundi à jeudi. On a commencé à m'appeler pape de Bukavu. Tellement Dieu m'avait utilisé des messages. Et le jeudi soir, et chaque fois que je prêchais le lendemain, je recevais les gens de 9h jusqu'à midi. Et le jeudi soir, le pasteur vient me voir, il dit, un pasteur, un vieux papa, 70 ans, qui vient d'un petit village appelé Uvira. Cet homme n'a jamais vu de grandes villes. Il me dit, même là où il habite, il n'y a pas de lumière. Est-ce que tu peux les laisser prêcher le lendemain? Je dis, pas de problème. Et c'est vendredi, ce papa vient prêcher. Pas d'herméneutique, pas d'homilétique, pas d'exégèse, mais puissance, power. Il prêchait, ma chaise bougeait.
Il a prié pour une femme qui était à côté de moi, goitre et disparue. J'ai vu un jeune homme qui avait une jambe longue, l'autre courte. Il a tiré, c'est redevenu normal. La présence de Dieu était palpable. Et à la fin, le pasteur dit, demain samedi, pas seulement le pasteur Dalo va recevoir, mais le pasteur Moudjir aussi va recevoir. En général, chaque fois que j'arrivais à 8h55, je voyais une centaine de personnes devant mon bureau. Ce jour-là, j'arrive, je regarde devant mon bureau, il y avait des chaises, mais sur lesquelles il n'y avait que des mouches et des moustiques. Et je regarde de l'autre côté, un plein à craquer, je dis, c'est sûr, on a inversé. On doit m'avoir changé de bureau. Je vais aller de ce côté, le protocole me dit, non, toi c'est là-bas. Là, c'est pour les vieux. Je suis resté de 9h à 11h, personne n'entrait. J'entendais un moment, le pasteur assistant venir dire aux gens, mais vous êtes tellement nombreux, papa Dalo ici est là, non, nous allons attendre ici. À midi, finalement, j'ai quitté sans recevoir quelqu'un. Et le jeune homme qui m'est ramené à l'hôtel, il fait un commentaire, c'est là où j'ai découvert que j'ai encore des progrès à faire. Il a dit, papa Dalo, toi c'est l'éloquence, mais le papa là c'est la puissance. Hein? Et je l'ai dit à ma honte. Je me suis surpris en train de dire, faites attention aux gens qui viennent du village là. Hein? Vous allez croire que c'est la puissance de Dieu. Mais si vous enlevez sa chemise, vous verrez des amulettes. Quand j'ai fini de dire ça, Alexandre, mon cœur s'est mis à battre. L'Esprit de Dieu m'a dit, pourquoi tu sèmes les doutes dans le ministère de l'autre? C'est parce qu'on l'apprécie plus que toi. Et derrière ma chaise, je me suis mis à pleurer. Quand ce jeune homme m'a fait descendre, je l'arrête, j'ai dit, pardonne-moi pour ce que j'ai dit. Ce jeune homme me le dira plus tard, 3 mois. Il dit, pasteur, ce jour-là, tu avais cassé quelque chose en moi. J'ai apprécié, tu étais un modèle. Mais ce jour-là, je me suis rendu compte que tu pouvais aussi être jaloux jusqu'à ce point. Comment vous réagissez quand on loue l'autre plus que vous? Comment vous faites? C'est pourquoi le jour où on sera au ciel, je chercherai à voir les 8 autres disciples de Jésus, à part Judas. Peut-être que sûrement il ne sera pas. Parce que Jésus, à un moment, il était sélectif, au moins à 3 reprises. Il veut aller ressusciter la fille de Jaïrus. Il prend seulement Pierre, Jean et Jacques. Je me dis, les 8 autres qui sont restés, disent, nous sommes des apôtres suppléants, apôtres adjoints ou quoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? On n'a pas. À la transfiguration, la même chose. Il prend encore les 3. Jésus, tu vas faire souffrir les autres. Que Dieu nous donne en tant que dirigés à ne pas détruire d'autres dirigés. Que des équipes pastorales qui se meurent. Dieu merci, Dieu n'étale pas nos cœurs. Si Dieu étalait nos cœurs, vous serez étonné, celui que vous appelez mon copain, ma copa. Vous saurez ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. Le pasteur lui laisse toujours faire des communiqués. Quand le pasteur s'absente, c'est à lui qui laisse l'intérim. Frère, comment tu trouves les choix de l'autre? Souris jeune. C'est Dieu qui décide. Mais dans le cœur, il souffre. Daniel chapitre 6, versets 1 à 5. Ils sont tous des satrapes. Et les rois commencent à penser à élever Daniel. Et ce sont les autres qui ont cherché à les détruire. Ils ont le même niveau, mais parce que l'autre là a quelque chose en plus. Ma prière est le vœu de mon cœur que Dieu nous garde de détruire les autres. Mon pasteur disait, la vraie grandeur qui s'est bâti en abaissant les autres n'est pas la grandeur.
Mais il disait aussi la vraie maturité se mesure par la capacité à accepter l'élévation des autres. Ma conclusion en trois mots. Le premier, c'est que Jésus est un modèle dans la gestion des coûts. Jean, Ésaïe plutôt, chapitre 53, verset 3, l'appelle l'homme des douleurs, habitué à la souffrance, méprisé et abandonné des hommes. Il a connu toutes sortes de coups. Deuxièmement, Jésus a connu la trahison, mais Jésus était fort dans la trahison. Chaque fois que je lis ça, je dis Jésus, toi aussi. Matthieu 26, verset 50, il est omniscient. Il sait que Judas l'a trahi et Judas vient l'embrasser. Jésus l'appelle mon ami. Aïe, 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 moi je l'aurais appelé autrement. Il vient faire la bise, je dis, hey, Judas, tu penses que je ne sais pas? Mais quelle maîtrise! Quelle maîtrise! Mais troisièmement, Jésus a réhabilité même quelqu'un qui n'a pas été digne de confiance. Je dis souvent, j'aurais été Jésus, je ne le serai jamais. Pierre, mon capitaine d'équipe qui me réunit, je l'aurais mis sous discipline minimum 5 ans. Non seulement qu'il a dit qu'il ne me connaissait pas, à un moment même il a fait des imprécations. Si je le connais, que le ciel me tombe sur la tête. Mais quelques jours après, il dit, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Alors que nos musiciens prennent place, je termine avec cette dernière illustration et j'inviterai mon jumeau à venir prier pour nous. Mon jeune frère pourra s'en souvenir. On est en 91. J'étais parmi les responsables de la jeunesse de notre église avec lui. Et durant quasiment 3 ans, c'était le même scénario qui s'est répété. On avait une activité où on touchait plusieurs jeunes, une sorte de campagne d'évangélisation qu'on appelait Café Chrétien. Et chaque fois qu'on priait, les seigneurs s'exprimaient, les prédicateurs, c'est mon serviteur Gabriel Veilly, et les modérateurs, c'est Roland Dallot. 88, 89, 90. J'oublie jamais ces jours de 91. On se retrouve dans notre retraite habituelle et on se met à prier pour que Dieu donne des orientations. Une sœur a été saisie. Elle est aujourd'hui l'épouse d'un de nos pasteurs à Kinshasa. Ainsi dit l'Éternel. C'est mon serviteur Gabriel Veilly qui va prêcher. Dans mon cœur, j'ai dit, je connais la suite. On ne change pas l'équipe qui gagne. Mais au lieu d'entendre mon nom, j'entends, mais pour cette fois-ci, pour la modération, j'oublie jamais, ça sera Patrick Boupéa. J'avais les yeux fermés, j'ai ouvert les yeux. Est-ce que ça c'est Dieu? Parce que mon nom n'a pas été mentionné. Les gens ne voyaient pas, mon cœur était... Heureusement que Dieu n'étale pas nos cœurs. Et juste avant la réunion, notre leader il dit, on se tient la main et on prie en signe d'unité. Je dis à quelqu'un après, si ce cercle était un circuit électrique à mon niveau, il y avait court-circuit. Parce que quand on priait dans mon cœur, je disais, oh, on ne m'a pas choisi. Moi, vraiment. Mais de deux, quand on monte, la réunion commence. Papa Kofi, je n'avais pas un stylo rouge en main, mais j'en avais un de spirituel. Dès qu'il a commencé, j'ai dit, ah, il a raté l'introduction. Si c'était moi, j'allais faire ça. Tout ce qu'il faisait, je ne faisais que corriger. Et le comble, c'est à la fin. Quand on finit, les gens viennent voir. La prédication était bonne, mais la modération, c'était pas quand Dallot est là. J'ai eu deux réponses, une réponse officielle et une réponse officieuse. La réponse officielle, j'ai dit, non frère, toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu. Mais la réponse officielle dans le cœur, je dis, vous avez vu que Dallot est Dallot, hein? Que Dieu nous épargne en tant que dirigeants, à savoir gérer les coûts, quels que soient les coûts que nous recevons. Abandon, trahison, ingratitude et fausses accusations. Quand je préparais ce message, le Seigneur me montrait des gens blessés
Et on était en train de faire deux choses. La première, on utilisait comme l'alcool pour désinfecter les plaies. Et deuxièmement, on mettait un... C'est comme un médicament rouge, chez nous on appelle ça mercurochrome pour soigner les plaies. Et Dieu m'a dit, Roland, je vais utiliser ces derniers messages pour soigner quelques-uns. Mais il m'a fait revenir la vision du départ. Je voudrais aussi vacciner plusieurs. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. Je ne sais pas quel cantique Dieu inspire à notre groupe d'adoration. Faites monter ces cantiques. Et je voudrais lancer un triple appel avant d'inviter Papa Kofi. Y a-t-il un dirigeant qui veut dire, Papa Dalo, prie pour moi. Comme Paul, j'ai reçu des coups et même je suis en train de les recevoir. Fausse accusation. Abandon, ingratitude, trahison, et j'ai vu ça mal. Je veux que Dieu m'aide. Si vous êtes là, levez-vous. Je t'ai trahi. J'ai été abandonné. On m'a accusé faussement. Des étiquettes ont été collées à moi. Des gens ont été ingrats. Des fois je veux oublier mais j'arrive pas. Des fois je pense avoir fait tourner la page mais j'arrive pas. Deuxième appel que je voudrais lancer. Vous êtes un débutant dans le ministère. Et ce message est venu au bon moment comme un vaccin. Et vous voulez dire, Seigneur merci. Je ne fais que commencer où je veux commencer. Mais tu as voulu m'équiper au bon moment. Quand l'ingratitude va arriver, je réagirai comme il se doit. Quand la trahison va s'inviter, je réagirai comme il se doit. Quand les fausses accusations vont s'inviter, je saurai comment réagir. Si vous êtes là, levez-vous. Vous qui n'avez pas connu ces choses, mais qui voulez dire, Seigneur, merci d'avoir permis que je les vive. Et le troisième et dernier appel, vous êtes un dirigé. Et vous êtes en train de recevoir des coups d'autres dirigés. Des collaborateurs dans le ministère vous font des crocs en jambes. Parce qu'ils veulent faire prendre votre place. Ils vous font passer aux yeux des leaders pour ceux que vous n'êtes pas. Vous en souffrez. Mon pasteur me disait combien c'est dur d'être innocent. Et on vous colle une culpabilité que vous ne pouvez pas changer. Mais ce matin vers 5h35... Alors que je priais, Dieu me disait, il y a des gens blessés. Des hommes de Dieu comme dirigeants. Des hommes et des femmes de Dieu comme dirigés. Blessés à cause des coups. Et vous dites, Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses. Si soit vous êtes assis ou debout, la blessure est encore présente. Au-delà de vous lever, venez ici devant. Alors que les cantiques nous accompagnent. Il m'a dit, je veux guérir. Je vais guérir. L'amertume n'a plus sa place. Cette fausse accusation vous a fait mal. Elle continue à vous faire mal. Venez. C'est le lieu de guérison. Alléluia. Je préparais ce message. Dieu m'a montré un jeune homme et une jeune dame. On vous accuse de sorcellerie. Et Dieu m'a dit, c'est parti d'un rêve que quelqu'un a fait. Quelqu'un a rêvé. Et à cause de ses rêves, on vous a collé cela. Indexé. Et plus vous vous justifiez, plus on vous incrimine. Alléluia. Vous qui vous êtes avancé, dites Seigneur, je reconnais avoir reçu un coup qui m'a blessé. Guéris-moi.
Ma plaie est béante, elle est saignante. Cette trahison, je l'ai au travers de la gorge comme un arrêt. Cette fausse accusation, je l'ai au travers de la gorge. Cette ingratitude, cet abandon, cette personne dans laquelle je me suis investi. Seigneur, la jalousie dont je suis l'objet de la part des autres confrères et consoeurs dans cette chorale, dans ce groupe d'adoration. Alléluia, alléluia. Papa Kofi, une dernière fois, alléluia. Vous qui vous êtes avancés, continuez à parler à Dieu. Les psalmistes ont dit, quand je serai devant lui, je lui dirai tout. Tous les jours.